Bien, donc moi je suis très heureux d'être ici à Lyon. Je viens de l'autre bout de la France, où il y a des petits nuages en ce moment, hein, qui fait très beau ici. Voilà, donc je vais vous parler des actualités de la polykystose rénale autosomique dominante. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un survol, puisqu'il y a un atelier cet après-midi. Donc il faut qu'on ait un peu de choses à discuter pour moi. Je vais essayer de mettre en place un certain nombre de choses qui me semblent un petit peu importantes de façon générale, et puis on pourra rentrer dans les détails cet après-midi pour ceux qui sont à l'atelier. Alors j'ai choisi de commencer par parler un peu d'épidémiologie et de clinique pour dresser un état des lieux de la présentation clinique de cette maladie, en fait, et de son épidémiologie. Alors tout ça va être basé sur une grosse cohorte qui s'appelle GeneKist, qui regroupe tous les patients polykystiques des centres de l'ouest de la France, ici. Alors vous voyez que Brest est tout au bout. Et on a petit à petit envahi l'ouest, progressivement. On est arrivé à Poitiers. Donc, et on n'a pas été arrêté à Poitiers. Et donc on sollicite tous les centres pour inclure tous leurs patients polykystiques dans l'accord GeneKist. Alors, bon an, mal an, on a commencé en 2010, hein, même si ça a été créé en 2009, et on a maintenant 2500 patients avec une polykystose qui font partie de notre cohorte, et des patients qu'on analyse sur le plan clinique et génétique, et en fait, de fait, aujourd'hui, c'est une des plus grandes cohortes mondiales de polykystose qui peut nous aider à comprendre mieux comment cette maladie évolue et comment elle se présente. Alors je vais vous détailler un petit peu la cohorte, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir un certain nombre d'éléments, éventuellement avant d'en discuter cet après-midi. Alors, on a à peu près autant d'hommes que de femmes, et si on regarde un petit peu sur une toute petite population, où là on est pratiquement sûr qu'il n'y a pas un seul polykystique dans la nature qui n'ait pas été inclus, c'est-à-dire le département du Finistère, on est, vous voyez, à 385 par million d'habitants. En fait, c'est toujours intéressant parce que si on calcule, ça fait même pas un patient pour 2000. Et vous savez que c'est la définition de la maladie rare. Et donc, bon, très probablement, on n'est pas encore exhaustif. Mais il y a des chiffres de prévalence dans la littérature que tout le monde reproduit de façon systématique dans chaque introduction de papier sur la polykystose, qui ne sont pas basés vraiment sur des chiffres réels, et donc peut-être qu'on va arriver à avoir des chiffres réels de la prévalence de cette maladie d'ici quelques mois. Alors, le point important, c'est que les patients sont inclus dans notre cohorte à un âge donné, au moment où ils se présentent, où ils acceptent de rentrer dans la cohorte. Et vous voyez que l'âge d'inclusion dans la cohorte est de 54 ans. Alors, on a très peu d'enfants, bien sûr, hein, de maladies pédiatriques, puisque c'est une maladie qui est rarement de présentation pédiatrique. Et globalement, ce sont des gens aux alentours de la cinquantaine. Ce qui est plus intéressant, je pense, c'est de regarder l'âge moyen au diagnostic de cette maladie. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a évolué au cours du temps. Parce que, on va en parler tout à l'heure, aujourd'hui, dans la polykystose, on a des traitements, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années. On sait que les modes d'intervention précoce donnent des résultats sur l'évolution de la maladie. Donc il y a une nécessité, c'est à diagnostiquer les patients tôt. On ne peut plus recommander aujourd'hui à un polykystique de dire « bon, ben voilà, il suffit d'attendre qu'il soit en insuffisance rénale terminale pour qu'il aille voir un néphrologue ». Ça n'a pas de sens. Et vous voyez qu'on a un âge moyen de diagnostic de 37 ans. Et si on compare à pas mal de cohortes à travers le monde, c'est jeune. Ça veut dire que dès lors qu'on s'intéresse à une population, qu'on discute dans les familles, des membres supplémentaires viennent se faire recenser et du coup vous baissez l'âge de diagnostic, et ça, à mon sens, c'est quelque chose de positif. Alors, la photographie de notre population, vous voyez, près de 65% n'ont aucune méthode de suppléance, ils ne sont ni en dialyse ni en greffe, donc 27% sont en greffe et 7,3% en dialyse. Tout ça pour vous dire que c'est un vrai reflet de la population, c'est-à-dire qu'on ne prend pas que les malades au stade terminal. C'est vraiment tous les patients, dès qu'ils ont un diagnostic, dès qu'on a découvert quelques kystes, qu'on fait rentrer dans notre cohorte. Et vous voyez ici, si on exclut ceux qui sont en dialyse,
et ceux qui sont transplantés, comment ils sont représentés en fonction de l'évolution de leur maladie rénale. Alors c'est peut-être une terminologie à laquelle vous n'êtes pas très habitué. On parle de stade 1 de la maladie rénale chronique, quand on a un rein qui marche encore bien, ce sont la plus grosse barre, les 476 malades, et puis ensuite stade 2, stade 3, stade 3A et B, stade 4 et stade 5, en fonction des fonctions rénales qui diminuent. Et vous voyez qu'on a une très forte représentation des stades précoces de la maladie. Et ça, c'est très important, parce que si on veut comprendre comment évolue cette maladie, il faut avoir dans sa cohorte des gens jeunes qui débutent la maladie, et les suivre et voir comment ils évoluent. Alors le mode de découverte aussi, c'est important à considérer, parce que ça a beaucoup évolué, du fait justement de l'intérêt qu'on porte à cette maladie aujourd'hui. Et il y a encore quelques années, le principal mode de découverte de la maladie, c'était une échographie. Les patients avaient mal au ventre, on faisait une échographie, et fortuitement, on découvrait qu'ils avaient une polykystose. Aujourd'hui, plus d'un tiers des patients diagnostiqués viennent spontanément chez nous pour une enquête familiale. Ils savent qu'il y a la polykystose dans la famille et ils veulent savoir s'ils sont atteints ou pas. Donc ça aussi, la prise en charge de cette maladie a modifié le mode de découverte. Alors ensuite, vous avez toujours la découverte fortuite, l'hypertension artérielle, qui n'est pas rare comme mode de découverte. Hein, 10% des patients sont découverts parce que le médecin traitant met en évidence une hypertension qui va conduire à un bilan et derrière on va découvrir les kystes. Voilà, donc je vous fais grâce des autres signes, mais qui sont importants. Alors peut-être quand même la douleur, hein, 7% des patients découvrent leur polykystose à cause de phénomènes douloureux. Alors les kystes hépatiques dans notre population, c'est simplement une photographie, hein, donc vous voyez que près de 66% ont en même temps des kystes rénaux, des kystes hépatiques. Ce sont des données qui sont assez connues. Et donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte en fonction de l'évolution de la maladie. On sait que les kystes hépatiques sont d'autant plus présents que la maladie est là depuis longtemps. Les douleurs. Alors, on vient d'avoir un exposé sur les douleurs. Les douleurs, c'est quelque chose d'important dans la polykystose, souvent négligé par les médecins. Il faut vraiment interroger, et là on le fait spécifiquement, il faut interroger les patients, est-ce que vous avez mal, quel type de douleur, etc., pour pouvoir avoir des renseignements précis. Et la prise en charge de la douleur est un élément majeur dans la polykystose, mais vous voyez que plus d'un tiers des patients signalent au moment simplement où ils rentrent dans la cohorte des douleurs. Et je vous signale que, je vous rappelle qu'il y a une grosse proportion de patients qui pourtant sont au stade précoce de la maladie. Il y a un certain nombre de complications comme les infections de kystes que vous connaissez pour ceux qui ont la polykystose et qui ont pu expérimenter ces complications qui peuvent de temps en temps être très aiguës. Donc on voit qu'ici, pareil, cette photographie, 17% des patients avaient présenté des infections de kystes, des hémorragies de kystes aussi, qui sont souvent responsables de douleurs très violentes, aiguës et d'hospitalisation. 21% des patients dans notre cohorte avaient présenté des hémorragies intrakystiques. Les calculs, hein, les lithiases avec les calculs, les coliques néphrétiques, quelque chose qui est souvent aussi négligé et mal pris en charge dans les polykystoses. Vous voyez que ça représente un patient sur cinq qui a eu des épisodes lithiasiques. Alors, la particularité de notre cohorte, c'est qu'on s'intéresse à la génétique, c'est-à-dire la totalité des 2500 patients ont été génotypés pour aller rechercher la mutation en cause, le gène en cause et le type de mutation en cause. Et vous voyez que la grosse partie bleue, ici, hein, la plus grosse partie des patients, ont ce qu'on appelle une mutation du gène PKD1 et une mutation sévère, hein, ce qu'on appelle une mutation tronquante, ce qui veut dire que en fait, l'anomalie génétique est responsable d'une diminution quasi complète de l'expression de la protéine, la polycystine 1, qui dépend du gène PKD1. Donc c'est la forme la plus sévère de la maladie. Donc vous voyez ici que vous avez plus de la moitié des patients qui ont une forme sévère. Ensuite, vous avez à côté les 552 patients qui ont encore une maladie qui est dirigée sur le gène PKD1. Mais cette fois-ci, une mutation de type non tronquante, une maladie un peu moins sévère, et on en reparlera tout à l'heure. Et puis, vous avez les 410 patients en vert, qui sont des patients qui ont une mutation du gène PKD2, le deuxième gène de la maladie.
Alors en général, c'est des maladies beaucoup plus modérées. On pourra en discuter de cette présentation clinique des patients PKD2, parce que la majorité de ces patients-là n'iront pas en dialyse, et jusqu'à un âge tardif. Et puis vous voyez qu'il y a des tas de petits gènes en dessous, là, et ça c'est la nouveauté dans cette maladie aussi, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des patients qui avaient des maladies kystiques qui ressemblaient à la polykystose, et quand on cherche une mutation sur le gène PKD1 ou PKD2, on n'en trouve pas. Et donc il y a d'autres gènes qui peuvent être en cause, certains viennent d'être découverts, c'est une toute petite proportion, mais c'est intéressant parce que ces malades-là n'ont pas du tout le même profil évolutif, et en particulier, probablement, ne doivent pas être traités comme les autres, avec les nouveaux traitements. Alors ça, c'était le premier point, un petit peu d'analyse épidémiologique et clinique pour mettre les choses en place, peut-être pour la discussion de tout à l'heure. Je crois que le grand enjeu dans cette maladie, sur ces derniers mois, c'est les facteurs de progression. La question est la suivante. Vous avez des patients qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, parce qu'ils ont une maladie modérée, vont se présenter avec une maladie polykystique et à 70 ans, 75 ans, vont être à peu près en bonne forme. Certes, ils auront une petite altération de la fonction rénale et quelques kystes, mais tout va bien. Et à l'autre côté du spectre, vous avez des gens qui ont 35 ans et qui sont déjà au bord de la dialyse. C'est la même maladie, c'est la polykystose. Et pourtant, ces patients ont des pronostics complètement différents et vous comprenez bien, de façon intuitive, qu'ils vont avoir des prises en charge différentes. Et tout l'enjeu, c'est de connaître comment progresse la maladie et de pouvoir catégoriser les patients pour, j'allais dire, presque laisser tranquilles ceux qui vont aller bien et se focaliser et traiter de façon énergique les patients qui ont un risque d'évoluer rapidement. Alors, ça peut se voir, cette progression, sur la dégradation des fonctions rénales. Vous avez ici quelques exemples de patients avec leur fonction rénale, donc le débit de filtration glomérulaire, hein, classiquement la normale est au-dessus de 90, donc vous les voyez à peu près au début de leur vie. Vous avez l'échelle de l'âge et vous voyez comment ces courbes bleues, rouges et vertes évoluent au fil du temps. Alors vous avez des patients qui évoluent très vite et vous voyez que la fonction rénale commence à se dégrader tôt. Et puis, ils vont être en dialyse, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers 35 ans, hein, puisque vous êtes en dessous de 10, là, à peu près, vous êtes en dialyse. Il y a des gens qui évoluent de façon un peu décalée dans le temps, mais qui vont être en dialyse vers 45 ans. Puis, vous avez les autres proportions de patients qui conservent une fonction rénale longtemps correcte, en vert, et puis quand ils vont commencer à se dégrader, vont se dégrader lentement. Ben, tout ça, c'est des profils de patients qu'il faut essayer de caractériser à l'avance, parce que vous comprenez bien que ces patients-là, on ne va pas les prendre en charge de la même façon. Alors, l'histoire de cette maladie, en deux petits mots, pour aller vite, vous savez qu'au début, les kystes sont là, hein, dès la naissance, et puis progressivement, au cours du temps, vous voyez sur ce schéma, le rein va se charger, les kystes vont grossir, le rein va augmenter de volume pour arriver à la forme terminale ici, avec un gros rein polykystique et un rein qui, le plus souvent, ne marche pas et la nécessité d'une dialyse. Ce qui est... Il faut garder un petit peu en tête pour comprendre comment la recherche a évolué ces derniers temps, c'est de regarder le schéma d'en dessous avec ces deux courbes, la bleue et la rouge. La courbe rouge qui monte comme ça très progressivement, très rapidement, c'est la croissance du rein, de la taille des reins. Ça rend compte de la croissance des kystes. Et cette croissance des kystes au cours de la vie, elle est exponentielle. Elle va de plus en plus vite, d'accord ? Et la deuxième courbe que vous voyez, la courbe en bleu, c'est la courbe de la fonction du rein. Comment marche le rein? Et vous voyez que pendant très longtemps, la fonction rénale reste normale. D'accord? Et puis à un moment donné, il y a une cassure et on va perdre des fonctions rénales. Et ensuite, on va évoluer en général assez vite jusqu'à l'insuffisance rénale terminale. Et ça, c'est vraiment les concepts de base qui permettent de comprendre les modèles de prédiction qui ont été mis en place. Alors, qu'est-ce qui va en fait influer et influencer la maladie dans son évolution. Au départ, tout à gauche, vous avez l'anomalie génétique. Elle est fondamentale. C'est elle qui va créer la maladie. D'ailleurs, la problématique génétique est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il n'y a pas simplement un gène qui est malade. Il peut y avoir de temps en temps d'autres gènes qui viennent aussi altérer l'évolution de la maladie. Et puis après, au cours de l'évolution de la maladie, les patients vont présenter un certain nombre d'événements cliniques. On en a parlé tout à l'heure, des douleurs, de l'hypertension, des hémorragies intrakystiques. Et ces facteurs cliniques en eux-mêmes sont des facteurs aggravants de la maladie. Et puis il y a très probablement aussi des facteurs environnementaux qui peuvent modifier le cours de la maladie. Et tous ces facteurs, les uns après les autres, vont faire en sorte que certains malades vont aller plus rapidement
vers la dialyse que d'autres. Et donc on a ces dernières années énormément travaillé sur quels sont les facteurs de progression de cette maladie et comment on peut mieux les connaître pour individuellement, pour un patient, lui dire, ou essayer du moins de lui dire, votre maladie risque d'être rapidement évolutive ou alors au contraire, le rassurer. Alors, je ne vais pas détailler ce schéma, mais en gros, il y a trois grands facteurs, c'est ceux qui sont en rouge, qui nous permettent de prédire la maladie. Il y a ce qui s'est passé en clinique, on va y revenir et je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a la génétique, c'est probablement le plus important et le plus fort, c'est-à-dire quelle est la mutation initiale, quelle est l'anomalie génétique initiale de base. Et puis à côté, on a des marqueurs maintenant radiologiques. C'est essentiellement ce qu'on appelle le volume rénal, et certains d'entre vous ont peut-être déjà eu des mesures de leur volume de rein par IRM, hein, par imagerie IRM, et qui permet aujourd'hui de prédire aussi l'évolution de la maladie. Alors, le point important, c'est que le gène, comme je vous le dis, est l'élément majeur. Hein. Et finalement, pour revenir à ce que je vous expliquais tout à l'heure, on peut catégoriser les patients en trois groupes. Et ça, dès une analyse génétique, vous pouvez les mettre dans trois paquets. Vous avez les patients qui sont en bleu, avec la courbe de survie rénale que vous avez à gauche en fonction des années. Les patients en bleu, la plupart d'entre eux n'iront pas à la dialyse. Et quand ils iront à la dialyse, ils iront à un âge moyen de 77 ans. Et ceux-là, ils ont des mutations du gène PKD2. Donc encore une fois, PKD2, maladie beaucoup plus légère, hein, avec une évolution vers l'insuffisance rénale terminale et la dialyse qui n'est absolument pas systématique. À l'autre bout, vous avez les patients en rouge, c'est ceux qui vont le plus mal, c'est ceux, je vous ai dit, qui ont des mutations tronquantes de PKD1, donc une anomalie génétique très particulière, et eux, en moyenne, ils seront en dialyse à l'âge de 55 ans. Et puis vous avez un groupe intermédiaire qui va en dialyse à peu près vers 65 ans. Et ça, c'est des travaux qu'on a faits au sein de la cohorte GeneKist et qui, vous voyez, avec simple analyse génétique, permet déjà de donner des outils pronostiques. Et quand vous regardez les arbres généalogiques aussi, ça aussi c'est quelque chose que les médecins prennent l'habitude de regarder. Comment évolue la maladie dans la famille? Alors on dit toujours qu'il y a une hétérogénéité intrafamiliale, c'est-à-dire que dans une même famille, il y a des patients qui peuvent évoluer de façon très différente, mais quand même, regardez cette famille typiquement bretonne, avec plein d'enfants partout. Donc vous voyez que globalement, les chiffres qu'il y a marqués sous les ronds noirs ou carrés noirs, c'est quand les gens sont atteints de la maladie, et vous voyez qu'en gros, vous avez des chiffres de, si on regarde, hein, 50, 50, 51, 45, 44, 46, 60, 50, voilà. Donc entre 45 et 60 ans, tous ceux qui sont arrivés en dialyse sont arrivés en dialyse à cet âge-là. Alors il y a quelqu'un qui est original, voilà, celui-là, tout là-haut, là, 81 ans, donc je ne peux pas vous expliquer. Mais globalement quand même, l'histoire familiale est importante à considérer et les médecins savent bien que c'est une alternative à l'analyse génétique. Une famille où tous les membres arrivent en dialyse avant 50 ans a probablement une forme sévère. Il y a aussi les critères cliniques et ça c'est très important, ça c'est aussi quelque chose qu'on a mis en évidence dans la cohorte GeneKist. En gros, si un polykystique a besoin d'être traité pour son hypertension artérielle avant 35 ans, c'est-à-dire que s'il a déjà des médicaments pour l'hypertension avant 35 ans, on sait que c'est un facteur de sévérité. De la même façon, si avant 35 ans, il a déjà des douleurs importantes, il a déjà fait des infections de kyste, il a déjà fait des saignements, hein, des hématuries macroscopiques, comme on l'appelle, qui correspondent le plus souvent à des saignements de kyste, eh bien ça aussi, c'est une maladie sévère, et grâce à ça aussi, on peut prédire que la maladie va évoluer plus vite. Alors, ces outils, à partir de la meilleure connaissance de ces facteurs de progression, on a mis en place maintenant ce qu'on appelle des outils de prédiction dans la maladie rénale chronique. Et le premier, c'est le volume rénal. Encore une fois, probablement certains d'entre vous ont déjà eu ces mesures-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On va mesurer le volume des deux reins. Ça comprend aussi bien le parenchyme, le tissu rénal qui est sain, mais ça comprend aussi le volume des kystes. Et en moyenne, des reins de taille, pour quelqu'un qui a des reins de taille normale, ce volume rénal total fait à peu près 200 millilitres. Quand vous avez une polykystose, évidemment, les reins sont beaucoup plus gros et ça peut aller jusqu'à
Bon, ça départ à 200-400 millilitres, puis 1 litre, donc 1000 millilitres, et parfois 2, 3, 4 litres, tellement les reins sont devenus volumineux. Hein. Donc ça, c'est très important. Vous avez ici une image en IRM avec, vous voyez, les kystes qui apparaissent de façon qui sont renforcées ici de façon blanche et qui donc sont représentées sur l'intégralité des deux reins, et vous en voyez aussi dans le foie. Alors, comment on fait pour faire ça? On a des méthodes par quantification, hein, des contourages, on appelle ça, et des méthodes semi-automatiques ou manuelles, où on va contourer le rein. Vous voyez, comme ça, on fait un trait autour à la main, et le logiciel va calculer la surface, et puis ensuite, on va multiplier ces coupes de surface par le nombre de coupes, et on va obtenir un volume. Donc ça, c'est une technique qu'on a en place à Brest. Il y a d'autres méthodes. On peut considérer le rein comme un ballon de rugby, et mesurer de façon ellipsoïde par un calcul qui est tout simple, hein, dont vous avez ici la formule, mesurer les grands diamètres, donc c'est plus facile, au niveau donc de l'IRM ou même de l'échographie, et ensuite pouvoir mesurer le volume des reins. Alors pourquoi faire tout ça? Eh bien parce qu'en fait, bon, la diapo n'est pas très bien passée, c'est pas très grave. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, et si vous vous souvenez, la courbe rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure versus la courbe bleue, on sait qu'aujourd'hui, le volume du rein est un marqueur de l'évolution de la maladie et permet de prédire l'évolution de la maladie. Et donc on a trois outils en fait de prédiction aujourd'hui. Il y a celui-ci qui a été mis en place par les Américains. Et par exemple, comment ça marche? Eh bien, si votre volume rénal est supérieur à 600 ml, alors on rapporte ça à la taille du patient, donc c'est 600 ml par mètre. Eh bien, on peut prédire que ce patient risque d'évoluer avec un très fort risque vers l'insuffisance rénale de stade 3 dans les 8 ans qui viennent. Voilà, ça c'est un outil qu'on peut utiliser. On peut même utiliser simplement la taille des reins, mesurée par échographie par exemple, et tous les reins supérieurs à 17 cm ont le même risque aussi d'évolution dans les 8 ans vers l'insuffisance rénale stade 3. Alors il y a un autre outil de prédiction qui est très à la mode, qui a été développé par nos collègues de la Mayo Clinic aux États-Unis, qui est à peu près le même type d'idée, hein, c'est-à-dire vous prenez à un âge donné le volume rénal du patient, et on peut prendre n'importe quel point ici au milieu du graphique, j'ai plus de souris. Si, bon, voilà, on peut prendre par exemple n'importe quel point ici, et ce patient-là, il a 40 et quelques années, et il a un volume rénal de temps, hein, si on voit sur le... ici, donc il a un volume rénal d'à peu près 650, voilà. Et grâce à cette taille, ce volume de rein à un âge donné, on peut prédire la croissance de son rein. En considérant qu'il est parti de 200 ml à 15 ans, s'il est arrivé à 40 ans à 700 ml, on peut calculer sa croissance en pourcent par an. Et grâce à ça, on classe les patients, vous voyez ici, en 5 catégories, qui correspondent aux courbes que vous voyez là. Donc les patients ici, du stade 1E, tout en haut avec la courbe orange, les reins grossissent de 6% par an. Et puis, à l'inverse, tout en bas, le stade 1A, les reins grossissent de 1,5% par an. Voilà. Et en fait, on sait qu'en fonction de l'appartenance à ces catégories, du 1E au 1A, eh bien, on peut prédire aussi l'évolution de la fonction rénale. Voilà. Et en gros, les classes C, D, E sont les classes les plus à fort risque de progression, et d'ailleurs dans les recommandations internationales, ce sont celles qui donnent lieu à la possibilité de traiter avec les nouveaux traitements de la polykystose, alors que les stades 1B, 1A, on considère que la maladie est pour l'instant peu évolutive, et donc pas d'indication à traitement. Voilà, alors il y a une troisième outil de pronostic, c'est un score que nous on a mis en place grâce à la cohorte GeneKist, encore une fois, qui en fait est un score tout simple avec des points en fonction de critères cliniques et génétiques. Donc vous allez reconnaître ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc il y a un peu plus tout en haut, hein, vous avez, selon que vous êtes un homme ou une femme, vous avez 0 ou 1 point parce qu'on sait que les hommes évoluent de façon plus péjorative dans cette maladie. Si vous avez déjà eu une hypertension avant 35 ans, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, bien, vous avez 2 points. Si vous n'avez pas eu, vous avez 0 point. Si vous avez déjà eu les complications urologiques avant 35 ans, vous avez 2 points. Sinon, vous avez 0 point. Et puis, les mutations. Si vous avez une mutation PKD2, 0 point. PKD1 non tronquant, 2 points. Et PKD1 tronquant, 4 points. Et ça vous fait un score de 0 à 9.
On peut catégoriser les patients en trois catégories, ceux qui ont un faible risque d'évolution de 0 à 3 points. Donc très probablement ces gens-là, ils ont un risque d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale qui est très très faible, donc probablement on peut les laisser tranquilles, pas d'intérêt à mettre en place les traitements spécifiques de la polykystose. Et puis vous avez les forts risques à l'inverse, ils ont plus de 6 points, et on sait ceux-là qui vont à coup sûr évoluer vers l'insuffisance rénale terminale et à coup sûr jeunes. Et donc il faut probablement les prendre en charge de façon différente. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur dans la polykystose, fixer le pronostic grâce à des outils pronostiques. Alors, juste pour terminer, quelques notions de traitement. On parlera sans doute de ça aussi cet après-midi. Alors c'est assez simple, hein, le traitement, puisque en fait, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul traitement qui soit autorisé en France, et un seul traitement d'ailleurs qui ait fait preuve de son efficacité. On va en parler. Alors, juste un petit aparté, deux secondes, pour vous parler du contrôle de l'hypertension artérielle, parce que il y a eu des grands essais qui ont été rapportés relativement récemment, qui montrent, et ça c'est une grande étude qui s'appelait ALT, qui a inclus près de 560 patients, et en fait l'idée c'était de se dire dans les polykystoses, comment il faut contrôler la pression artérielle, est-ce qu'il faut mieux la contrôler de façon très rigoureuse. Et vous avez ici les chiffres du groupe très rigoureux, c'est-à-dire vous avez des chiffres de tension artérielle, des cibles qui étaient basses, hein, baisser la tension artérielle grâce au traitement à moins de 110-75, ou alors des cibles standards, hein, conventionnelles dans l'autre groupe, entre 130 et 180. Et cette étude a été suivie en mesurant l'impact de ce contrôle de la tension sur le volume rénal. Et en fait, pour faire court, on va regarder que la courbe de gauche. Eh bien, ce qu'on voit, vous avez en bleu la courbe qui monte au cours du temps, qui est l'augmentation du volume du rein dans les patients qui ont eu un contrôle de tension artérielle de type conventionnel. Et vous voyez en comparaison la courbe rouge qui monte beaucoup moins, qui est différente, statistiquement différente. Et donc, qui laisserait entendre que plus la pression artérielle est contrôlée dans la polykystose, moins la maladie évolue. Et donc c'est probablement quelque chose à garder en tête, en particulier, quand je vous disais tout à l'heure, ça fait partie des raisons pour lesquelles il faut dépister les polykystoses tôt, voir les gens très tôt, puisque si l'hypertension apparaît tôt dans la maladie, il faut la prendre en charge rapidement. Et puis, pour terminer, donc le seul médicament qui soit disponible dans la polykystose aujourd'hui, c'est le tolvaptan. Et ça, c'est à partir d'un essai qui s'appelle Tempo 3-4, qui a été rapporté déjà depuis quelques années, en 2012, mais le médicament ensuite a mis du temps à arriver dans les pharmacies. Donc cet essai a inclus presque 1500 patients, et on a donné le médicament versus dans un autre groupe du placebo. C'était des patients particuliers qui ont eu ce traitement. Ils étaient sélectionnés, ils étaient relativement jeunes, ils avaient un volume rénal relativement élevé, à 750 ml par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, et ils avaient encore, à la date de l'entrée dans l'essai, des reins qui fonctionnaient correctement, avec donc une clairance de la créatinine aux alentours de 60 ml par minute. Alors, on rentrera peut-être dans les détails cet après-midi sur comment se prend ce médicament, hein, deux prises par jour, avec des paliers pour arriver à la dose maximale. Et qu'est-ce que ça nous a apporté cet essai? Eh bien, ça se résume en deux phrases, l'efficacité de ce médicament. Il réduit la croissance du volume rénal de 49%, donc en 3 ans de traitement. Vous voyez les courbes, hein, donc les deux courbes, ces patients sous placebo versus les patients sous traitement, les courbes s'écartent, c'est la croissance du volume rénal, donc de 49%. En gros, les patients sous placebo avaient un rein qui grossissait de 5,5% par an versus seulement 2,8% par an pour les patients sous tolvaptan. En termes de fonction rénale, eh bien, le tolvaptan a réduit la perte de fonction rénale au cours du temps de 26%, c'est-à-dire que quand vous regardez les patients du groupe placebo, si vous vous souvenez des courbes que je vous ai présentées tout à l'heure, ils perdaient 3,7 ml par minute et par an, et sous tolvaptan, c'est 2,7, donc c'est une différence de 1 ml par minute et par an. Alors ça peut sembler très 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 petit comme différence au cours du temps.
Sachez que pour nous, néphrologues, 1 ml par minute par an, c'est quelque chose qui est tout à fait sensible. Et la plupart des essais de néphroprotection dans la maladie rénale chronique, hein, quand on vous donne un traitement par un inhibiteur d'enzyme de conversion, par exemple, ont à peu près le même type d'effet. Voilà, alors évidemment, ce médicament, vous le savez probablement, ce n'est pas la panacée parce qu'il a des effets secondaires et en particulier des effets aquarétiques, c'est-à-dire que ça fait uriner beaucoup, de 4 à 6 litres par jour et parfois plus. Ça donne envie d'aller uriner plus souvent. On se lève la nuit pour uriner, on a soif et on a la bouche sèche, du moins en début de traitement. Et donc, un certain nombre de patients ne vont pas pouvoir continuer parce qu'ils n'arrivent pas à s'habituer à ces contraintes. Je dois dire que c'est quand même un nombre assez limité, puisque dans mon expérience, c'est à peu près 10 à 15% simplement des patients qui sont obligés d'arrêter. Les autres arrivent à prendre ça en charge. Et puis, le deuxième inconvénient, c'est qu'on sait qu'il y a, il y a eu des petites alertes sur le plan hépatique, avec une augmentation dans le sang d'une enzyme qu'on appelle la transaminase. C'est un phénomène qui a un équivalent allergique, mais qui touche à peu près 1% dans sa forme la plus grave chez les patients sous traitement et qui donc nécessite de contrôler le bilan hépatique tous les mois pendant 18 mois, puis après tous les 3 mois. Je tiens à signaler quand même que tous les patients qui ont présenté ça à l'arrêt du médicament ont guéri totalement et sans séquelles. Voilà, donc un panorama de ce traitement. Et donc, le traitement est actuellement indiqué en France, et vous avez ici les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Chez quel patient on peut proposer le traitement. Bien sûr, après, il faut discuter avec le patient pour voir s'il est d'accord d'en accepter éventuellement les effets secondaires. Donc, c'est des patients qui doivent avoir, grand A, une fonction rénale qui est encore pas trop diminuée, hein, donc il faut avoir plus de 30 ml par minute de débit de filtration glomérulaire. Il faut avoir un gros rein. Et en fait, c'est les critères que je vous ai présentés tout à l'heure, les critères de progression qui avaient été mis en place par l'étude américaine. Donc, il faut avoir des reins de plus de 600 ml par mètre sur l'IRM. Et puis, troisième point, pour être qualifié, pour pouvoir être traité, il faut avoir des signes de progression rapide, soit qu'on ait des manifestations cliniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit qu'on ait une perte de fonction rénale rapide sur les années qui précèdent le traitement. Voilà, donc on rentrera peut-être dans les détails cet après-midi. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je remercie tous les gens qui travaillent avec moi sur la polykystose dans la cohorte ChenKyst, tous les investigateurs, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Yannick. Donc peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions, mais bon, on est pas mal en retard sur la pause déjeuner, donc peut-être pas trop se retarder, surtout que s'il y a beaucoup de questions, elles pourront être abordées au cours de l'atelier cet après-midi, hein, bien sûr, où vous pourrez cuisiner le professeur Lemeur autant que de besoin. Donc voilà, est-ce qu'il y a une ou deux questions urgentes? Bon, bah écoutez, alors s'il n'y a pas de questions, tout le monde se réserve pour l'atelier, donc il y a beaucoup de monde. Voilà, je remercie les organisateurs, les orateurs, vous remercie tous de votre présence et de votre interactivité. Je vous souhaite un bon appétit.